Yo tout le monde, c'est Roman. Voilà, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne de Mac Mes Vidéos. Voilà, donc RMK, c'est mon nom dans le rap. Voilà. Roman, Nicolas Nuyu, on te salue. Donc, moi je te connais en tant qu'acteur. Mm-hmm. Et là, apparemment, tu fais du son quoi. Ouais, bah, je fais du son. Ça date de quand? J'ai commencé. Bon, le premier son que j'ai sorti, c'est. Je pense c'est vers fin 2020. J'ai plus trop la date, mais vers fin 2020. Voilà. Fin 2020, ouais. Ça fait 2 ans. Ouais, bientôt 2 ans. Bientôt 2 ans. Mm-hmm. Qu'est-ce que t'as fait, t'as inspiré pour rapper quoi? C'est une passion qui est là ou bien c'est récent? Ben en fait j'ai toujours aimé écrire et tout ça sur mon téléphone. Mais après j'ai écrit un truc qui m'avait plu. Du coup après je me suis dit pourquoi pas continuer genre un peu plus sérieusement. Voilà. Okay. La carrière d'acteur, en tout cas, pour l'instant, c'est pas dans mes projets, parce que je veux plus me focaliser dans la musique pour l'instant. C'est ce qui me passionne le plus, quoi. Donc, quels sont les artistes qui t'inspirent? Rappeur, moi j'écoute beaucoup Nekfeu, Kalash Criminel. Je suis plus dans le rap français. Rap Galsen, non, pas trop. Bon, après, je suis un peu sur les réseaux, genre Akbes et tout ça, Deep Doudou Giz. Tu vois bien la connexion avec Akbes, ça peut donner quelque chose. Ah ouais, ça peut donner quelque chose, hein. Ouais. Non, parce qu'on s'est jamais vu. Je vais créer ce link-là. Y'a pas de problème. Moi, je suis chaud pour tout. Je suis chaud. Ouais. On le place. D'où vient le nom? RMK, moi je m'appelle Roman Karit, donc RMK tout simplement. Voilà, RM pour Roman et K pour Karit, RMK. Ok, tu fais quel genre de musique? Moi je fais plutôt du rap mélodie, genre. Ouais, j'aime bien la mélodie. Bon, après je peux kicker, hein. Genre ça dépend avec qui j'ai en face ou bien mon mood, quoi. Mais après, je suis plus dans la mélodie, ce que j'aime faire. Genre. Genre Maes, Nino, comme ça. Ouais, voilà, les trucs comme ça. C'est... Genre Chacola. Chacola. Ouais. Donc, quel est le public que tu cibles, par exemple? Le public. Niveau pays ou bien niveau. Niveau pays. Ben, moi, j'aimerais bien viser Sénégalais et tout ça. Genre, côté Libanais et tout, parce que vu que je rappe en français, quoi. Genre, et aussi, peut-être, pourquoi pas, la France. Un peu comme le cas de Frisco. Ouais, voilà. Parce que déjà les sons que j'ai sortis, mes auditeurs, ils sont la moitié quasiment, c'est en France, quoi. Du coup c'est un public que j'aimerais bien viser. Ouais. Apparemment, il y a un projet qui est sorti. Ouais, alors je devais sortir mon projet hier, vendredi 10 juin 2022. Mais du coup j'ai eu un petit problème, du coup je pense que je vais le décaler d'une semaine, donc vendredi, voilà, vendredi 17, je pense que c'est le 17 juin 2022. Voilà. Donc c'est quoi tes ambitions là? Qu'est-ce que tu veux prouver? Je veux juste proposer mon son, voir si les gens aiment et tout ça. Et puis vraiment, moi j'aime bien être au contact des gens. Vraiment, mon rêve, c'est de faire des scènes et tout ça, de rencontrer mes auditeurs et tout ça. Voilà. Je pense que le fait d'être au Sénégal, ça, c'est pas un frein pour que ta carrière se développe plus rapidement? Ben voilà, c'est pour ça. Moi, j'aimerais bien toucher du public français et tout ça, parce que je sais qu'ils sont nombreux et que si j'en touche un peu, ça peut beaucoup parler là-bas. Donc après... Pour un début, c'est toujours pas mal de toucher nos environs, les personnes qu'on connaît et tout ça. Mais après, pourquoi pas, si je vais faire mes études en France, pourquoi pas toucher le public français, quoi. Donc c'est quoi ton featuring de rêve? Avec qui tu veux te poser? Mon featuring de rêve, pourquoi pas Chacola, hein. Chacola, ouais, il est chaud. Ah ouais, j'ai écouté, j'ai kiffé, hein. Bon, après, il y a plein d'artistes que j'aime. Mais comme j'ai dit, Kalash, j'aime bien Nekfeu. Ouais, Nekfeu, vraiment. Il a fait son retour avec Escrew. Ouais, Escrew, il a fait grave son retour là.
quel genre de son on peut retrouver dans ton projet? Dans mon projet, dans mon projet, j'ai 7 titres. Voilà, donc j'avoue que j'ai pas mal de feats. Parce que souvent je vais au studio avec mes amis et tout. Comme je suis un peu jeune, souvent on va au studio à plusieurs fois. Mais j'ai des sons en solo dedans. Donc on peut trouver de la trap, de la mélodie, de la drill mélangée à de la mélodie. Voilà, donc des sons posés, dont des sons qui ambiance. J'ai fait ton passage sur le Talk Show. Ouais. J'ai un peu écouté, quoi. J'ai un peu vu l'aperçu de son que tu fais. Mm-hmm. Mais ça sonne trop français, quoi. Comme si, genre, tu es là-bas, quoi. Alors que tu es au Sénégal, tu as grandi ici, n'est-ce pas? Ah ouais, j'ai grandi ici. Et comment tu as pu t'adapter au rap français facilement? Parce qu'en vrai, moi, j'écoute beaucoup de rap français et tout. Sur les réseaux, je suis beaucoup de youtubeurs, de rappeurs français et tout. Donc après, ça a été facile parce que je m'adapte un peu à comment ils font. Genre, je suis un peu les codes, quoi. Ouais. Donc, il y a des clips prévus, il y a des... Ouais, mais là, il y a... Donc, on est quel jour? On est samedi 11, voilà, donc il y a une semaine, le vendredi, pas hier, mais l'autre, j'ai sorti mon tout premier clip, donc ça s'appelle Esprit Noir. C'est disponible? Ouais, c'est disponible, sur YouTube, c'est disponible. Esprit Noir, Fit Copa. Copa. C'est ton gars? Ouais, c'est mon gars. Ok, bon, on va aller checker ça. Il n'y a pas de problème. Est-ce que tu peux nous lâcher un petit freestyle, comme on demande? Un petit freestyle? Bah alors on met une prod ou bien? Bon, sans prod, à capella. Sans prod. Ah, c'est mieux de mettre une prod. Non, pas sans prod. Sans prod. Ouais. Je sors un texte. Ouais. Ou bien? Ou bien au mieux tu vas me proposer un freestyle. Un freestyle. Bon, on va clipper ça en façon. Ouais, je suis d'accord. Ok, on fait ça. C'est quoi tes réseaux? Mes réseaux, c'est Instagram, c'est roman-karit. Snapchat, roman.krr. Et YouTube, Roman, RMK officiel. Il n'y a pas de problème. Ok. Il n'y a pas de problème. Merci Roman, je te tiens. À la prochaine. On fait ça.